et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie de mes ressources qui me permettent d'utiliser mes jeux et de les faire tourner vu que j'en ai beaucoup. Donc, je vous ai expliqué que j'utilisais, par exemple, ça je vous l'ai montré dans une autre vidéo. J'ai toute une série de jeux comme ça, ou dans les petits livrets qui accompagnent, il y a des questions à se poser. Voilà, quelle contribution puis-je apporter au monde? Ai-je une influence positive sur la vie de quelqu'un? Que puis-je faire pour apporter une contribution plus importante au monde? Et donc, ces questions-là, je peux très bien me les poser quand j'ai tiré la carte, comme réflexion plus profonde, et retirer d'ailleurs des cartes éventuellement d'un autre jeu. Mais je peux aussi ne pas du tout tirer de cartes de cet oracle-là et prendre le petit livret comme un livre de challenge et voilà, me poser. Si ma vie recommençait vraiment à neuf, prendrais-je les mêmes décisions? Suis-je prêt à lâcher prise et amorcer un nouveau départ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Voilà, simplement comme ça, par curiosité, aller explorer ce thème. Et donc, j'ai toute une série de jeux comme ça qui possèdent des questions. Et je me suis fait, je vais essayer de la retrouver, voilà. Je me suis fait toute une petite liste que j'avais pour le moment. Vous voyez, il y a les portes du monde mystique, le Quantum Tarot, les chemins de Qumran. Il y a la série questions, il y a les chakras, carte oracle de sagesse, il y a aussi des questions, l'oracle du pouvoir personnel, l'oracle esprit de Noël, oui, j'ai une carte carrée parce que je ne me retiens jamais lequel c'est, l'oracle de Noël de Pierrot, l'oracle du lac des signes, l'oracle des énergies lumineuses, l'oracle des mystérieuses vibrations des éléments dans le livre, l'oracle Wicca, l'oracle des fleurs enchantées, géométrie sacrée, carte d'activation et le livre Les cristaux du chaman. Et chaque fois que je tombe sur un livret d'un nouveau jeu ou d'un jeu que je n'avais pas encore noté, parce que ça m'a, je ne suis pas sûre qu'ils y sont tous, je n'ai pas passé tous mes jeux en revue quand je me suis fait cette fiche-là, eh bien, je le rajoute. Et quand je me dis, bah, tiens, j'ai envie de tirer des cartes, mais qu'est-ce que je ferais bien? Eh bien, je peux très bien sortir le livret d'un de ces jeux-là et me dire, bon, bah, allez, aujourd'hui, on répond à telle question. Alors, cette petite fiche-là, je me la mets dans un deuxième livre écrit par Wassima. Je vous ai montré le premier dans la première vidéo. Et donc, celui-ci, c'est 365 jours de défi avec Tarot et Oracle pour Mystique. Donc, les sujets sont un petit peu plus spirituels et ésotériques, on va dire. Là, j'ai des gens aussi, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, c'est des tirages défis, je les ai recopiés, je les mets dans le bouquin. Oui, bah, ça aussi, c'est des questions que je me posais un jour. Mais ça, c'était plus en rapport avec, justement, le fait qu'à un moment, ça me pesait d'être toujours hyper responsable alors que je voyais autour de moi qu'il y a des gens qui s'en faisaient un peu moins, d'avoir pas respecté à fond un engagement qu'ils avaient pris, etc. Et donc, j'avais décidé de répondre à ces questions-là pour un petit peu travailler cette partie-là de moi. Donc voilà, il y a par exemple « Explorer le temps en 11 jours ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans celui-là? Comment prendre soin de soi comme un mystique? Donc, il y a plusieurs chapitres dans celui-là. Il y a, par exemple, « Mon corps, mon temple en un mois ». Il y a quoi encore? Celui-là, c'est quoi? Maintenant, je crois qu'on y est toujours, en fait. Ça, c'est une petite fiche, je vais vous montrer après. Voilà, par exemple, il y a « Harmoniser votre maison en 9 jours ». Il y a, par exemple, « Symbole moderne, défier
en 7 jours. C'est pas ça. Si, c'est ça. Symbole moderne défié en 7 jours. Donc, ce genre de choses-là. Voilà, j'ai trouvé aussi des petits tirages sympas que j'avais mis là. Là, c'était des tirages défis encore que j'avais trouvé. Jour 2. Ah ben là, je pense que j'avais refait, j'avais rajouté des questions. Il n'y en avait pas assez, je crois. Donc, ou bien c'est des questions qui m'étaient venues, je ne sais plus. Tirage rapide de Jenna Blossom. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Tirage en 3/4 de Jenna Blossom. Petit tirage sympa. Voilà, j'avais trouvé des petits tirages rapides. Et alors, l'autre petite fiche que j'ai mis de côté, c'était pour construire soi-même ses défis et challenges. On utilise un jeu dont on tire le nombre de cartes voulues pour notre tirage. Et les mots-clés de la carte nous indiqueront le sujet de notre tirage et la convention des positions. Par exemple, si vous tirez blocage comme carte, puisque dans certains oracles, vous allez trouver la carte blocage, eh bien, vous répondrez qu'est-ce qui représente un blocage dans ma vie actuellement. Si vous tirez la carte amour, vous allez dire, par exemple, et selon le contexte, c'est... à quelle part de moi ou à quelle part de ma vie dois-je donner de l'amour particulièrement en ce moment? Ou vous pouvez poser la question comment se porte l'amour de moi pour le moment, ou si vous êtes dans une relation, comment se porte ma relation amoureuse, ou enfin voilà, ça ce sera vraiment à vous de le déterminer. Et on peut utiliser des jeux assez génériques comme le petit Lenormand, le Béline, l'oracle de l'Anna, l'oracle G, l'oracle bleu, l'oracle de la triade, n'importe quel oracle en fait divinatoire ou même un autre où vous avez des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour du coup poser vos questions. Donc ça, c'est encore une autre ressource pour utiliser vos cartes. Et pour faire tourner les jeux, vous utilisez ce jeu-là qui va vous faire votre étalage. Et puis, vous en utilisez un ou deux pour répondre. Alors, j'ai encore celui-ci qui est le 4e de la série. Et qui donc, celui-ci, c'est le 2e qui a été fait par Steph. Challenge avec tarot et oracle au royaume des animaux. Donc là, je me suis fait des fiches avec tous mes jeux sur les animaux. Il faudra que je la complète d'ailleurs, parce que depuis, j'en ai reçu d'autres. Ensuite, donc là, il y a toutes sortes de questions de nouveau à se poser. Par exemple, voilà, vous avez le flamant rose. Et les questions, c'est suis-je assez dynamique pour le moment? Pourquoi? Dans quel domaine de ma vie suis-je le plus extraverti? Et est-ce que mon apparence me donne de l'assurance? Pourquoi? Et encore une fois, comme dans l'autre vidéo, je vous l'avais dit, je peux, moi, très bien utiliser un jeu par question. Ou alors, par exemple, s'il y a beaucoup de questions, comme ici, il y en a deux, il y a une question, puis pourquoi? Et puis là, une question, puis pourquoi? Je vais prendre le même jeu pour la première partie. Et... le deuxième jeu pour répondre à pourquoi, par exemple. Mais ça peut être aussi comme on veut. Hein. On peut prendre un jeu différent pour chaque partie aussi. Voilà, et celui-là, il est sur le thème des animaux. Donc, c'est sympa et elle le dit bien. Il ne faut pas nécessairement prendre un jeu sur les animaux pour répondre aux questions. Si vous n'avez pas de jeu sur les animaux, ça fonctionne quand même très bien. Moi, je me suis mis ça pour justement avoir des occasions de sortir mes jeux sur les animaux. Mais j'ai déjà répondu aux questions avec des jeux qui ne sont pas du tout sur les animaux. Et ça fonctionne évidemment très bien. Alors, un livre que j'ai acheté récemment aussi, c'est mon cahier de tirage de Chloé Bonfil. Donc, c'est un livre qui vient de sortir. C'est une pépite ce livre parce que il vous explique comment construire vos propres tirages.
Donc, fatalement, après, vous allez utiliser beaucoup de jeux pour le faire. Et c'est très, très amusant parce qu'il y a une partie, on va peut-être essayer de trouver la table de matière. Est-ce qu'elle est où? Elle est à la fin? Non, elle doit être là. Parce que il y a notamment traduire un oracle ou un tarot en tirage. Donc c'est à la page 37. On va aller regarder justement cette partie-là. Voilà. Donc on choisit comme source d'inspiration pour notre tirage un oracle ou un tarot qu'on affectionne particulièrement ou pas. On peut aussi le faire avec tous nos jeux. Donc ça va nous faire une fameuse bibliothèque de tirage. Et donc c'est aussi une façon d'utiliser les jeux. Après, en plus, vous aurez un tirage à utiliser avec ce jeu-là, mais vous aurez un tirage à utiliser avec d'autres jeux. Et puis en plus, vous aurez utilisé le jeu d'une autre façon pour construire votre tirage. Voilà, et après, elle a des idées. Enfin, Chloé, c'est une mine d'idées. Hein. C'est une caverne aux idées. Et donc, voilà. Consultez votre agenda pour connaître votre prochain tirage. Enfin, c'est juste... C'est magnifique, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'explorer. Je pense le faire cette semaine. Même, par exemple, traduire une image en tirage. C'est extraordinaire. Elle propose aussi des tirages qu'elle a construits elle-même et qu'on peut faire aussi, je trouve, de manière assez intemporelle ou avec des problématiques spécifiques. Il y a un petit peu les deux. Il y a un peu les deux. Donc, voilà. Et après, il y a toutes sortes de pages pour remplir. Donc, on peut utiliser celle-là ou les photocopier. Pour voilà, pour écrire, mais moi je prends des carnets vierges pour écrire parce que je n'ai jamais la place qu'il faut, ça ne correspond jamais à ce que j'ai envie d'écrire. Voilà, donc il est paru chez Arcana Sacra très récemment et il est au prix, tenez-vous bien, de 16,95€, 16,95€ pour un beau livre comme ça, quand même épais, avec une magnifique couverture, avec du doré dessus, avec le petit marque-page comme ça, sur un joli papier qui n'est pas tout blanc, vous voyez, il est un petit peu jauni, avec les pages où il y a ça, ça figure à toutes les pages pour en faire vraiment un tout beau livre. Et Chloé a eu une idée géniale aussi, c'est que pour déterminer le nombre de cartes qu'on va mettre dans nos tirages, si on en a envie, on peut le tirer au hasard. Et par exemple, si on le tire à cette page-là, eh bien, on va utiliser, si je vois bien, 4 cartes. Voilà. Mais par exemple, si... Bon, ben là, on va utiliser... Non, 4 cartes aussi. Oh, ben, décidément. Voilà. Là, on utilisera 3 cartes si on tombe sur cette page-là. Là, on utilisera 2 cartes. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit carnet de tirage, 50 tirages de base, et donc de Laurence Alenda. Et très franchement, il y a aussi des tirages qu'on peut, voilà, on peut s'inspirer. Tirage du taux vibratoire, par exemple, ça, on peut le faire presque tous les jours. Hein, vérifier son taux vibratoire, ou pas tous les jours, parce que ce serait lassant, mais un jour on fait ça, un jour on fait le tirage du jour, un jour on fait le tirage de la semaine, un jour on fait un tirage des chakras. Et finalement, on a vite fait le tour de la semaine avec ça. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et après, il y a aussi, évidemment, des tirages pour des questions tout à fait... spécifique, bien entendu, mais il est bien fait. Je pense que c'est encore disponible. Il faut le faire par son site. Par contre, lui, il n'est pas donné. Voilà. Quand je vois le prix de celui-là et le prix de celui-là, voilà. Bon, après, c'est l'auto-édition, etc. J'ai évidemment les 78 tirages, les 78 tirages
qui peuvent aussi m'inspirer pour. Voilà, ça m'arrive de tirer un tirage comme ça au hasard ou de choisir la carte en me disant bah, tiens, aujourd'hui, j'essaierai bien de savoir à nouveau où j'en suis sur mon chemin spirituel. Parce que peut-être que c'est un tirage que j'ai fait il y a 6 mois. Donc voilà, ça vaudrait la peine de le refaire aujourd'hui. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup de tirages spécifiques, bien entendu. Par exemple, comment arrêter de me disperser? Ça peut être à tout moment de l'année et on peut le refaire plusieurs fois, par exemple. Et donc, c'est d'Emmanuel Higé et c'est disponible sur son site, c'est lesmotsclés.com. Bon, ça aussi, ça a un certain coût. Mais celui-là, je le comprends mieux parce que vous avez la boîte en dur et vous avez les fiches comme ça qui sont d'excellente qualité, mais vraiment d'excellente qualité. C'est des grandes cartes quand même, toutes décorées. Je pense qu'ils coûtent le même prix que le petit carnet que je vous ai présenté là. Bon, moi je l'ai eu un peu moins cher parce que je l'avais fait en genre de précommande. Enfin, il y avait une espèce de pack avec un tirage offert. Ça coûtait moins cher avec le tirage. Et puis je lui ai dit que je ne voulais pas le tirage parce que ce n'était pas du tout pour ça. Je lui ai dit d'une manière très cash. Ça m'arrive pas souvent d'être cash. Mais des fois, quand il y a des choses aberrantes, bah, je l'ai dit. Je lui ai dit, je vais vous dire franchement, je vous ai pris le pack avec le tirage parce que c'était moins cher. Mais je n'ai pas du tout envie ni besoin du tirage. Et donc, je pense que ça coûte à peu près le même prix, alors qu'ici, bah, vous avez juste le petit carnet comme ça. Mais bon, après, le format est pratique aussi, hein, du petit carnet. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, hein. Je dois avouer que les spirales comme ça, c'est pratique. Mais bon, voilà, ce sont des idées. Alors, j'ai aussi les 22 tirages de tarot psychologique d'Emmanuel Higé. Vous voyez, c'est son site, ça. Ils sont pas chers ces petits bouquins-là, je crois. Il y a pas le prix dessus, mais ça doit coûter une quinzaine d'euros, je pense. Et donc ceux-là, on peut aussi se les faire à peu près, c'est quand on veut. C'est aussi en rapport avec les arcanes du tarot, donc le tirage de la papesse. Mais voilà. Après, des fois, c'est quand on a une question précise ou pas. On peut des fois les faire vraiment, voilà. Par exemple, à utiliser pour reconnaître et éviter les obstacles qui s'annoncent, on peut très bien le faire pour savoir s'il y a des obstacles qui s'annoncent dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc c'est encore un de mes livres ressources. Alors j'ai aussi celui-ci qui est dans un coffret avec un Rider-Waite classique, mais que j'ai franchement acheté pour les tirages. Parce qu'à chaque... Pour chaque arcane majeur, vous avez. Donc, ça, il y a d'abord des tirages classiques, comme dans tous les bouquins. Et pour chaque arcane ici majeur, vous avez le tirage du fou. Il y en a même pour lequel on en a deux. Là, il y a le tirage de la sagesse du magicien et le tirage personnel du magicien. Et donc, ça. C'est des questions plus comme on a dans le livre des challenges. Que représente la magie pour moi? Comment fonctionne la magie dans ma vie? Dans quel domaine est-ce que je recherche la magie? Où la trouver? Comment l'utiliser? Et comment puis-je devenir magicien? Ça, c'est un tirage qu'on peut faire quand on veut. Il n'y a pas besoin d'avoir une question précise. Donc, pour chacune des cartes des arcanes majeures, il y a un tirage. Avec parfois un deuxième tirage. Et donc le coffret, je l'avais acheté uniquement pour ça. Et puis par contre, pour les arcanes mineures, il n'y en a pas. Mais je pense que pour certaines cartes, je pense que pour certaines cartes, il y a des questions parfois dans la description. Mais je ne sais plus trop si c'est dans celui-là ou dans un autre, à vrai dire. Parce que j'ai plusieurs livres qui se ressemblent. Et donc tous ces livres-ci, depuis que j'ai mon bureau, ils sont tous autour de moi. Donc ça, c'est génial, parce qu'avant, je ne savais jamais où les mettre. Puis je les rangeais dans l'armoire, donc je ne les sortais pas. Et puis, voilà, maintenant, c'est génial. Je les ai tous sous la main.
Alors, j'ai acheté aussi, en même temps que l'autre que je vous ai montré dans l'autre vidéo, celui-ci, qui est donc, il y a 365 étalages de tarot pour faire de la magie. Donc, c'est créer de la magie chaque jour. Donc, il y a une proposition par jour. Et c'est pour utiliser les cartes un petit peu à la façon de la loi d'attraction, c'est-à-dire que c'est pour intensifier la vibration de ce qu'on voudrait obtenir. Elle explique dans l'introduction, donc c'est la même autrice, hein, c'est Sacha Graham. Je pense qu'elle a une chaîne YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller voir, mais c'est en anglais, évidemment. Elle explique qu'un jour, elle se posait une question, je crois que c'était financier. Elle savait plus comment faire et elle voulait se faire un tirage. Bon, excusez-moi, bon, un petit coup, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, elle voulait se faire un tirage pour savoir comment améliorer sa situation financière. Et elle a étalé des cartes sur la table et finalement, elle s'est rendue compte, elle a été comme aspirée dans les cartes. Et c'est comme si elle avait réussi avec les cartes de tarot à inscrire quelque chose dans sa vibration qui a fait que ça lui a permis de changer sa vibration et donc de changer la situation. Et donc, elle a construit tout un bouquin sur ça, sur différents thèmes. Par exemple, celui-ci, c'est la protection contre le mauvais œil. Ici, c'est... Alors, Lodestone, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc on va en prendre un autre. Celui-là, c'est un enchantement sort pour un vœu d'anniversaire. Celui-là, c'est pour la vision de nuit. Voilà. Et vous avez sur plein de thèmes, et vous pouvez aussi le faire par jour ou pas. Je l'ai beaucoup moins utilisé, mais j'aime bien l'idée. Et à vrai dire, même si pour faire ça, je n'ai pas utilisé ce bouquin-là, je l'avais déjà. Et une fois, j'ai fait un tirage pour une problématique un petit peu relationnelle au boulot, avec quelqu'un dont je ne comprends pas bien le fonctionnement, la façon de fonctionner. Et j'arrivais pas du tout à me positionner et ça me posait un sérieux problème. Et donc, je me suis fait un tirage, en fait, donc pour avoir les réponses là. Et en réalité, en regardant les cartes, je me suis imprégnée de cette énergie des cartes, de l'énergie des cartes du tarot. Et à vrai dire, j'ai réussi à changer totalement ma vibration par rapport à ça. Et la situation a totalement changé après. Donc, c'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose qui vous permet d'utiliser vos jeux. Ben, un petit peu différemment que dans les tirages, mais plutôt pour faire des rituels. Alors là, elle propose aussi parfois d'utiliser d'autres choses que les cartes de tarot, comme vous pouvez voir, hein. Donc là, c'est avec le 4 de coupe, mais elle dit aussi un crayon, un papier, des figues sèches, du fromage, du miel. Mais très franchement, moi, si je dois faire le rituel, je ne prends pas le reste. Sauf si vraiment j'en ai envie et que je l'ai à disposition, mais sinon je me contente de faire la visualisation et la méditation par rapport qui est proposée ici par rapport à la carte du par exemple du 10 de Pentacle, qui est donc évidemment un tirage pour s'imprégner, enfin pour attirer de l'abondance. Le 10 de Pentacle étant une carte d'abondance. Donc voilà, celui-là, je vous l'ai présenté un peu longuement, donc je vais avancer un petit peu. Je me suis aussi acheté celui-ci, le Tarot Yoga Book d'Oracle Enzel. Je pense qu'il est encore disponible aussi. C'est comme les autres de ceux d'Oisima et de Steph. On le trouve sur Amazon parce qu'il est imprimé par Amazon en fait. Donc c'est de l'auto-édition, mais par Amazon, hein. Vous voyez, ce sont les impressions que Amazon propose. Et je pense que c'est des solutions
qui sont relativement peu onéreuses pour une qualité tout à fait correcte. Évidemment, bon, c'est pas local, c'est Amazon, on est bien d'accord, mais bon, voilà, parfois on n'a pas le choix. Et donc, celui-là, il est sur le thème du yoga. Il utilise tous les principes du yoga pour faire des tirages. Et donc, ce sont aussi des tirages intemporels. Ce sont des tirages sur de l'introspection. Et donc, on peut le faire aussi quand on veut. Et on peut donc utiliser nos jeux voilà, pour faire ça. Et encore une fois, tarot, ça s'appelle Tarot Yoga Book parce que Oracle Enzel est très tarot, mais elle tire aussi des oracles. Et elle mélange beaucoup. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de préjugés et qui dépoussière totalement le milieu de la cartomancie. Si vous suivez sa chaîne YouTube, elle est géniale, mais elle ne poste pas nécessairement beaucoup dessus. Je crois qu'elle est beaucoup plus sur Instagram, ce genre-là de réseau-là. Moi, je ne la vois pas si souvent. Mais elle est aussi sur Facebook. Elle travaille avec des tirages et des Playmobil. Enfin, des fois, c'est à mourir de rire parce qu'elle se prend pas la tête, parce qu'elle adore ça. Et bah, son livre est un petit peu à son image. Et en même temps, c'est toujours beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est sans prise de tête, mais c'est loin d'être n'importe quoi. C'est pas du tout n'importe quoi. Et donc, voilà, encore des idées de tirage pour utiliser nos jeux. Et on peut, encore une fois, utiliser plusieurs jeux si on le veut. Bon, je rebois un petit coup parce que, comme vous entendez, j'ai tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui. Et j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, j'avais aussi acheté le cahier de l'été 2021. Et donc, j'achèterai celui de 2022 ou 2023, je ne sais pas, quand il sortira, parce qu'il était prévu. Et par un autre auteur, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien. Et donc là où il y a aussi des activités proposées. On les trouve encore, hein, ces petits cahiers-là, si vous ne les avez pas. On peut les trouver chez Amazon, en librairie, sur le site d'Arcana Sacra, je pense. Et on les trouve, on les voit souvent passer d'occasion. Moi, je les vois tout le temps passer d'occasion. Mais attention au prix, parce que ils sont au prix de 6,95, 6,85. Vous les voyez souvent d'occasion à 5 euros. Mais en réalité, quand vous ajoutez les frais d'envoi, ça vous revient plus cher que de l'acheter directement à ce prix-là. Donc, méfiez-vous. Alors, celui-ci, le grand guide du tarot de Lise Dean, parce que, encore une fois, c'est un livre dans lequel vous avez, pour chaque arcane majeur, le tirage de la papesse. Par exemple, voilà, les reflets de la parade. Ah non, ça, c'est les autres cartes. Ça, c'est intéressant, ça. J'aime beaucoup dans ce livre. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais si vous ne connaissez pas ce livre, il y a chaque fois pour chaque carte où on peut retrouver des reflets de l'énergie de la carte dans les d'autres cartes du tarot. C'est très très bien fait. Et puis voilà, il y a un tirage avec l'impératrice. Et ça, encore une fois, je peux très bien sortir ce livre-là et me dire, ah ben tiens, allez, aujourd'hui je fais le tirage de l'impératrice ou aujourd'hui je fais le tirage du pape, voilà. Le tirage du chariot, le tirage du pendu, le tirage du diable, le tirage de la lune, le tirage du monde. Et alors, je me demande si ce n'est pas... C'est peut-être dans celui-là, en fait, que pour les arcanes mineures... Non, c'est pas dans celui-là non plus. Je croyais que c'était peut-être dans celui-là qu'il y avait des questions à se poser. Sur les arcanes mineures. Mais non, visiblement, c'est pas celui-là. C'est encore un autre, je sais pas. C'est peut-être encore dans un autre bouquin qui accompagne un tarot, alors c'est possible. Ensuite, j'avais acheté aussi celui « Se développer, s'épanouir avec le tarot divinatoire », toujours de Caroline
Eskenazi. Et donc, c'est le pendant de celui que je vous ai montré dans l'autre vidéo sur les oracles. Donc, voilà, le voyage du fou. Des tas de questions à se poser, des tas d'activités à faire avec, avec notre tarot, des tas d'exercices à faire avec le tarot. Donc, c'est une source quasi inépuisable d'idées de faire avec le tarot. On peut les recommencer plein de fois. Voilà, majeur par exemple, le fou, quelle aventure t'attend? Magicien, quels sont tes plus grands atouts? Grande prêtresse, quelle misère, quel mystère prends-tu du plaisir à résoudre? Etc. Et on peut les refaire parce que, bien entendu, 6 mois après, on n'aura pas les mêmes réponses parce qu'on aura changé d'énergie. Ensuite, celui-ci que à ma grande honte, je n'ai pas encore travaillé alors que je l'ai acheté d'occasion, qui n'était plus disponible. Parce qu'il n'est plus disponible, il se refond à des prix de fou. Je l'avais encore eu pour un prix relativement raisonnable. En tout cas, quand je vois les prix maintenant, oui, je l'ai acheté à peu près la moitié du prix. Où on le trouve maintenant, parce que maintenant, c'est... on le voit passer 100 euros. Donc pour un bouquin, faut quand même le faire. Moi, j'avais eu pour à peu près 50 €, je pense. Et il était en état neuf. Et parce que Barbara aussi nous propose de construire nos propres tirages, un petit peu à la façon de Chloé. D'ailleurs, Chloé a ce livre et ça l'a inspiré, je pense, pour écrire le sien. Et puis, parce qu'il y a des tas de... tirage, par exemple, vous avez le tirage « Joindre le geste à la parole » et que ça aussi, c'est un tirage qu'on peut faire sans problématique particulière. Et il y a aussi l'art de modifier des tirages, par exemple. Et donc, il y a aussi des possibilités d'utiliser plusieurs jeux pour un même tirage. Voilà. Par exemple, quand on voit une disposition de tirage comme celle-ci, on peut très bien dire, bon voilà, les 4 dernières cartes, je les tire avec un autre jeu. Ou celle que je mets dans l'autre sens, je le tire avec un autre jeu. Par exemple, hein, mais ce n'est pas obligé non plus. C'est vraiment comme on veut. Donc, voilà. Là, par exemple, je vois un tirage sur le cœur, le pont et la tête, eh bien, on pourrait très bien dire qu'on va utiliser un jeu différent pour chacune des catégories, par exemple. Mais c'est pas... voilà, on fait comme on veut. Ensuite... dans celui-ci, je pense qu'on le trouve encore. Je ne sais pas s'il est encore vraiment dispo, mais celui-ci, on le voit passer d'occasion des fois à des prix dérisoires. C'est le langage secret des tarots de Laura Twan. Et je sais que c'est un des must-have de Hugues, de la chaîne Saint-Cyd. Il en a parlé. Et moi, j'avais déjà acheté le bouquin quand il en a parlé, quand j'ai vu qu'il en a parlé dans une des vidéos, je crois, des derniers mois. Et il y a des tas de tirages aussi dans celui-ci. Donc, c'est des idées. Il y a des idées de tirages généraux. Voilà, par exemple, jeu de la semaine, l'arbre de vie. Ce sont des tirages qu'on peut faire un peu quand on veut. Par contre, il y a des tirages plus spécifiques. Par exemple, pour une maladie, ben voilà, c'est plus spécifique. Mais le jeu du karma, on peut le faire un peu quand on veut. La relation de couple, c'est plus spécifique, bien entendu. Donc, on peut vraiment, voilà, pour connaître les événements de la journée, ben on peut le faire tous les jours. Des concomitances, on peut le faire un peu quand on veut. Voilà. Donc, celui-là, il y a moyen aussi de l'utiliser. Et on le trouve, d'occasion, on le trouve assez facilement sur Vinted. Vous en avez, je ne sais pas combien d'exemplaires. Il faut bien regarder parce qu'il y en a qui le vendent cher et puis il y en a qui le vendent vraiment à presque rien. Et je pense à un autre que je n'ai pas sorti, un dernier, mais que justement j'ai aussi, je pense, acheté pour ça. C'est ce livre-ci, donc de Stephen Bright, Les clés de l'ésotérisme tarot, chez Albin Michel.
Je pense qu'il est paru en 2021. Oui, en 2021. C'est un livre à un tout petit prix, 14,90, 14,90. Et que moi j'ai trouvé d'occasion à un prix encore plus petit, mais j'avais repéré que pour chaque carte, il y a des questions. Vous souvenez-vous d'une situation où vous avez pris un risque sans tenir compte des conseils des autres et où cela a payé? Pouvez-vous penser à quelqu'un de votre passé ou votre présent qui ne se conforme pas aux normes de la société? La spontanéité est-elle du genre à vous exciter ou à vous effrayer? Si le mât vous chuchotait quelque chose à l'oreille à cet instant, qu'est-ce qu'il vous encouragerait à faire? Et donc, fatalement, c'est un livre qui est fait pour le tarot, hein. C'est un bouquin qui explique toutes les lames du tarot. Bon, je pense qu'il y a une courte introduction. En fait, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là. Et j'ai certainement pas regardé le début parce que je l'ai acheté seulement pour les questions, en fait. Et donc, on a des questions comme ça pour toutes les cartes. Dans quelle mesure jugez-vous que vous éloignez occasionnellement de votre environnement social est important? Y a-t-il quelqu'un comme l'ermite qui agit comme un guide dans votre vie? Vous souvenez-vous d'une époque de votre vie où vous vous êtes senti seul ou exclu par les autres? Selon vous, qu'est-ce que la recherche de l'âme? Donc, ce que j'aime bien, c'est que ces questions-là, elles couvrent plusieurs significations de la carte de tarot. Donc, il y a plusieurs angles de vision. Et donc, on a la même chose pour les arcanes mineurs. Donc, je trouve que c'est un livre qui permet aussi de bien travailler le tarot, parce que ça permet de connaître, d'apprendre le tarot. Et ça permet aussi d'utiliser nos jeux sur des thèmes quand on n'a pas de questions précises. Parce que, heureusement, moi, je n'ai pas tous les jours une question à poser à mes jeux en dehors de comment va se passer ma journée éventuellement, mais où je vous ai dit dans la première vidéo que finalement, je trouvais ça un petit peu lassant, puis je trouve ça un peu réducteur en fait. J'ai envie de faire autre chose avec mes jeux que juste leur demander comment va se passer ma journée. Je préfère les utiliser quand je me sens pas bien, donc comme les jeux qui me consolent, qui m'apaisent. Je préfère les utiliser pour creuser des choses qui se passent en moi, pour faire du développement personnel et puis pour aussi apprendre un tas de choses, comme je vous ai montré dans les livres précédents, des fois sur certains sujets, et notamment, pourquoi pas utiliser un jeu, même un tarot, pour étudier le tarot. Quoi de mieux qu'un tarot pour étudier le tarot? Donc là, il y a des techniques et des tirages. Mais bon, je vous dis, j'ai pas regardé ça parce que c'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté. Donc, c'est pas, de toute façon, c'est très classique. Donc c'était, je pense que c'était à une carte et puis la croix celtique. Si j'ai vu passer, oui, une seule carte. Ah, le tirage avant d'aller dormir. Celui-là, il faudrait peut-être que je la lise, le lise. Je sais pas, ça me paraît peut-être pas mal. Ça changerait un peu. À trois cartes et le tirage de la croix celtique. Je suis en train de penser que ça changerait du tirage du matin. Et à l'intérieur de l'enveloppe ici, on a un grand poster qui, on va pas pouvoir vous montrer. Peut-être que je pourrais remonter un tout petit peu la caméra. Mais je ne peux quand même pas tout vous montrer. Voilà, ça reprend les arcanes du tarot avec les principales significations. Et ça, il faudrait quand même que je regarde un petit peu parce que j'aime bien en fait les phrases qui résument comme ça l'énergie d'une carte.
Par exemple, n'oubliez, pour la justice, n'oubliez pas que ce qui va finit toujours par revenir. Agissez donc avec équité. Par exemple, j'aime beaucoup la mort, par exemple, après chaque fin, il y a un nouveau départ. J'aime beaucoup, beaucoup parce que, en réalité, je trouve que c'est très. Ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Et donc, ça laisse beaucoup de place à l'utilisation de cette carte dans des tas de situations. Je trouve que c'est très, très général, mais ça décrit bien vraiment l'énergie de la carte. Et donc, on peut la rattacher à quasiment n'importe quelle situation ou question. Ah oui, et alors, je ne vous ai pas vraiment montré, mais regardez, la couverture est très, très belle avec le doré comme ça. Je pense que c'est un bleu très foncé plutôt que noir, avec un petit peu du lilas ici. Et puis, vous avez cette étoile comme ça avec des cartes en doré et c'est très joli. Et c'est un beau bouquin avec une couverture comme ça en dur. Et franchement, pour le prix, il vaut vraiment le coup. Voilà, ça terminait cet épisode sur mes outils pour utiliser mes jeux et les faire tourner. Je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un petit commentaire. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Bye bye.